mais ça va pas. Milo! Chantal, Chantal, qu'est-ce qui se passe? Milo s'est barré. Quoi? Faut le retrouver, j'y vais avec Magali. Léa. Oui? Il faut que tu me rendes mon corps. Ok. Ok Léa, appelle les autres. Chantal, Chantal, Magali est pas assez forte. Toi et moi, on peut le choper. Ouais. Ouais, Georges, il a dit qu'on était au manipulaire, on sait pas. Il connaît vos visages. On aura qu'à prendre deux civils. Ouais. D'accord, mais vous connaissez la procédure? Ouais, il faut des êtres insignifiants, sans ambition, en exerçant aucune activité professionnelle, personnelle et ou politique, pouvant avoir un impact considéré comme bénéfique pour la société. C'est très long. En gros, il nous faut deux gros stocks bien nuls. Qui glandent comme des gros glands. Je sais exactement qui choisir. Sérieusement, faut vraiment qu'on arrête de sortir en semaine. Serge Gainsbourg aurait aujourd'hui fêté ses 87 ans. Le chanteur français est connu pour son goût prononcé pour la cigarette et l'alcool et les autres. Ça te dit qu'on emménage ensemble? Quoi? On est tout le temps ensemble, autant qu'on emménage ensemble, non? C'est plus simple. Oui. T'es d'accord? C'est vrai? Non, c'est pas sérieux. T'es sérieuse? Non, c'est génial! Attends, mais je vais nous trouver un nouveau canapé, ça va être mortel, et puis un lit king size! Et je nous ai trouvé un petit robot aspirateur! De quoi? Un robot aspirateur! T'aimes pas faire ménage, moi non plus, on se trouve un petit robot, il bouge partout, c'est mortel! Deux semaines. Je trouve ça incroyable en fait de s'angoisser pour ça alors que la création c'est un don avant tout, donc je me suis jamais posé de questions. Pourquoi se poser de questions quand on sait ce qu'on peut faire? Moi je n'ai pas peur du tout, je refuse en fait. J'ai compté une soirée. Alors t'as fini ta BD? Hein? Ah ouais ouais. Dis-moi, je me disais que peut-être demain je pourrais passer déposer hein? Je pourrais peut-être passer demain déposer des affaires. Je suis content! J'ai pas envie que t'emménages! Hein? De quoi? Hey! Salut! Vous êtes là tous les soirs, vous, en fait? Bah, ça va, on a qu'une vie! Tu nous remets deux shots de vodka. Pendant 6 mois, d'accord? Ok, bah d'accord, comme tu veux, bah j'irai le remettre chez moi, mais demain, faut quand même pas pousser mémé. Dans les orties!
C'est parti. Sainte Corinne, donc une bonne fête à toutes les... les Corinne. Fin d'édition. Tenez, oui, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'édition. On en a marre, on a envie de faire un break. C'est comme ça, je vois pas mes gamins, ça fait déjà 12 ans. Y'a pas de raison, parce que j'ai un costard et tu as la télé, que j'ai pas le droit, moi aussi, d'avoir des vacances. Merde! Je me disais pour l'appartement, peut-être on pourra... C'est bon. Ben ? Monsieur, laissez-moi rentrer chez moi. C'est chez moi ici. Non, c'est chez moi. J'avais dit c'est avec ma copine. Alors. Non, je crois pas. C'est plutôt chez moi. Lily ? Bon, écoutez, la porte est fermée. Oui. Et ben voilà, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Barrez-vous ! Génial, super, bravo. Ça, c'est vraiment la goutte d'eau, ça. Ben ? Oui. Benjamin ? Oui. Benjamin Percheron. Oui, ouvre-moi, putain. Donne-moi la date de notre rencontre, enculé. Je sais pas. J'avoue, moi non plus. Ben, t'as pas la même tête. Lily. T'as pas la même tête non plus. Ok. Ok. Sérieux, non ? Oui. Téléphone. C'est pas ma sonnerie. Je décroche. Mais bon, bah, il s'avère qu'on a merdé. Ah ouais, vous avez merdé, ouais. Désolé, on est désolé. Mais, hé,
tout va bien, hein, pas de stress, ok, ça va, on s'occupe bien de vos corps. On a toujours deux mains, on a des bras, des jambes, des petits seins bien ronds, pas trop gros, mais putain, ils tiennent tout seuls, quoi. Eh, oh, tu penses à ma meuf, toi? Calmez-vous, calmez-vous, vous avez été dissocié, d'accord? Ne vous inquiétez pas, tout va redevenir comme avant. Tout ce qu'il faut, c'est que vous ne bougiez pas de là où vous êtes. Ok, okay. On bouge pas, okay, on bouge pas. Okay. Bon, un petit point super important, ok? Il y a une petite fille dans votre chambre d'amis. Quoi? Hein? Quoi? Elle s'appelle Magali. Donc, hé, il faut être super sympa avec elle, hein. Hein? Et vous en prenez soin juste le temps qu'on arrive. Mais c'est excusez-moi, il y a quelqu'un derrière vous. De quoi? Hein? Il y a quelqu'un qui quoi? J'entends pas. Ça... Ah! Allô? 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 Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas terminé ma phrase, là? Rappelle, 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 rappelle. Elle doit avoir peur. La pauvre. Ok, t'es prêt? Sacha! Oh mon Dieu! T'es qui toi? T'es qui? Qu'est-ce que t'as fait de la gosse? T'es qui? Lily! Ne fous pas de ma gueule, espèce de gros cochon, je vais te faire le cul! Lily, attends, je crois que c'est la. Lily, c'est la gosse! Elle est où, la Lily, c'est elle! Où est-ce que tu l'as mis? Où est-ce que tu l'as mis? Lily, arrête, arrête! Lily, c'est la gosse, c'est la gamine! La gosse! Réponds! Réponds! Oh putain! Réponds quoi? C'est la gosse, c'est elle! Hein? Bon! Tout le monde se calme, ok? Monsieur, est-ce que tu veux des chocodélire? Magali? Tu as quel âge? T'as quel âge? J'ai 5 ans et demi. Tu t'appelles Magali? Et t'as 5 ans. Et demi. Magali. Qu'est-ce qui nous arrive? Bah... vous êtes dissocié. Quoi? De quoi? Quoi? T'es dissocié. Quoi? C'est quoi dissocié? C'est quoi? C'est grave? Oui. Magali. C'est quoi dissocié? Ça, c'est ton âme. Ça, c'est tout ton corps. Là, on dirait que c'est Sacha. Ensuite, ça a fait ça. Et maintenant, vos âmes, eh ben, tu peux les mettre où tu veux. Ok, ok. Et comment on fait pour avoir ça? Comme avant. Toi, je t'aime pas. Monsieur Magali, s'il vous plaît. Je sais pas. Faut demander à Chantal. C'est qui Chantal? C'est qui Chantal? Je peux regarder la télé? Bah non. Choco délire, carrément choco, complètement délire. Bonjour tous les matins, putain. J'adore ça. Sais-tu ce que m'a ramené Poppy le jardinier ce matin? Oh non! Je vais te faire deviner! Un fruit qui est d'une couleur jaune. Une pomme ou une banane? Une banane! Une banane! Oui! Tout de suite, un épisode des Ragondins de l'espace! Ouais! On peut parler une seconde là? Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? On va appeler les flics. On leur explique, on s'est fait voler nos corps, ils nous y retrouvent, et puis tout va bien. On fait ça un peu, on entend. Qu'est-ce qu'on fait, Lily? Qu'est-ce qu'on fait? Comment il fait avec ses cheveux? Quoi? Comment tu penses qu'il fait avec ses cheveux? De quoi? Non, 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 mais c'est pas le moment là, Lily. Attends, il faut qu'on trouve un truc. Attends, faut que je regarde un truc. Mais arrête, c'est dégueulasse. Arrête, c'est pas ta bite. Elle est plus grosse que la tienne. Non, non, mais arrête, elle touche pas, touche pas. J'ai une grosse bite. Non, mais arrête, c'est pas ta tube, tu touches pas. Attends. Il faut que je teste un truc. De quoi? Il faut
faut que je teste un truc. Laisse-moi tranquille. Non, 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 tu vas quand même pas. Non, 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 t'as pas le droit. Évidemment qu'il faut que j'essaie de me branler. C'est la première fois que j'ai une bite, j'attends. J'attends, évidemment. T'as pas le droit de faire pareil à ma place. Tu ferais pareil à ma place. Non, 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 arrête. Non, non, attends, tu ferais pareil. Non, mais. Non. Non, non, non. Magali, cette Chantal, elle peut nous aider à retrouver nos corps. Ouais. Tu vas nous emmener à Chantal, Magali. D'accord. Allez, c'est parti, à l'aventure. Ah, Tiboule, j'ai l'impression qu'il va nous arriver une bricole. Ok, donc arrête-moi si je me trompe. Hein. Ton âme est toujours dans ton corps et aussi dans celui du livreur en bas, là. Ouais, c'est la duplication, je t'apprendrai si tu veux. Comme ça, ça me permet de l'observer sans me faire griller. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, regarde. Je vais la faire marrer. Attends, c'est toi qui fais ça, là. Je vais lui rajouter des danseurs. Ouais, qu'est-ce que vous foutez là? Faites un flash mob, c'est ça? Non, parce que c'est la voie publique ici, c'est pas un dancing, hein. Moi j'ai des clients qui arrivent là pour visiter des baraques. Alors vous dégagez si vous voulez faire Gangnam Style, c'est là-bas. Danse avec moi. Hop, et les oreilles de lapin. Voilà, allez, on y va. Viens, on chouappe. Quoi? On chouappe. De quoi? Non, 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 pourquoi? Qu'est-ce que... On met sur la peau comme ça. C'est et pouf. Ben? Ben, c'est toi? Ben? Ben, ça va? Ramène-toi! Ramène-toi, ramène comme avant! On rechouappe! Elle a dit pouf! 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 Oh, oh. Ça va? Ça va, je crois. Elle est où, la petite? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Et maintenant? Monsieur, tu m'approches pas. Casse-toi! Casse-toi! Tu te casses! On va jouer. Non! Non! Un chat! C'est toi le chat. Lily, ah, la conne. Lily, c'est toi. Ramène-toi, Magali, c'est pas un jeu. Qui est où là? Comment tu fais? Ok, ok. On garde la même configuration, plus personne ne change de corps, ok? Magali, t'es vraiment qu'une grosse connasse. Lily, Si vous voulez plus jouer avec moi, je vais jouer dehors. Magali, reviens. Magali, reviens! Non, mais je suis vraiment désolé, pardon. Magali! Allez hop. Allez, file. Encore désolé, monsieur. Vraiment. Ah bah. Est-ce que toi aussi, à chaque fois que tu changes de corps, tu pètes? Non. Ouais, moi non plus. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez entendu parler de mon associé? Cool. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que vous voulez signer? Ouais. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. C'est trop cool. Cool. Trop bien. Mais faut pas, tu vois. Tu peux pas faire ça, Milo. De quoi? Je fais rien d'illégal. Et puis je suis à plus de 25 mètres d'elle. Mais
Je m'en fous de Pauline, je te parle pas de Pauline. Tu peux pas manipuler les gens pour ton plaisir. Ils ont rien demandé ces gens, toi tu leur fais faire n'importe quoi. Attends, attends, attends. Elle fait un discours. C'est pour ça qu'il faut agir. Il y a trop de gens qui se bougent pas, il y a trop de gens qui font rien. Alors que... Ben, on sert plus à rien si on fait pas l'effort de faire avancer ce monde. Mais je suis pas en train de vous parler de faire un don, de vous parler d'argent, non. Je vous parle de solidarité, d'union. Et d'ailleurs, le 27 juin, notre association, tous ensemble, contre la mort. Oui, elle a tellement raison. Comment ça, elle a raison? Il y a trop de vies qui n'ont aucun sens. Trop de gens inutiles qui servent à rien. Toi non plus, tu sers à rien, Milo. Pas toi. Quand tu vas pas t'y mettre aussi. Elle avait raison. Quand elle disait que tu servais à rien, elle avait raison. C'est pas étonnant qu'elle te parle plus. Tu la mérites pas, Milo. Ta gueule! Ta gueule! Arrête! Attends. Si je supprime tous les gens qui servent à rien, je sers à quelque chose. Et ben voilà, on va faire ça. Je vais changer le monde depuis mon canapé. Le 27 juin, il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour notre association. Attends. T'as pas un peu faim, là? J'ai un peu faim, moi. Ouais, j'avoue, je suis pas contre un petit truc à griller. Ouais, hein. On va se prendre à bouffer avant de changer le monde. Viens, Magali. Je suis sûr que ça va bien se passer. Bonjour, Georges. Mais Magali, mais où t'étais passé, bon sang? J'étais avec eux. Et c'est qui, eux? C'est pas Sacha et Gwen? Vos Sacha et Gwen, ils ont tiré nos corps. Ah, merde. Hey, guys, so wonderful to see you. Mais ça fait du bien de vous revoir. Qu'est-ce que vous foutiez? Regarde, hashtag big beard. Regarde, cette photo, elle est trop ouf. Attends, attends, bouge pas, bouge pas. Terry. Hashtag grosse barbe. Terry. Hashtag mal au pif. Terry. C'est pas Sacha, c'est pas Gwen. Ah merde. Excusez-moi, on en parle du fait que vous venez nous niquer le pif là? C'est la procédure. Allez, venez. Chantal va vous expliquer. Génial la procédure. Vous avez pas des badges plutôt? Ok, vous êtes prêts? Ça va être chaud à comprendre. Ouais, allez-y, on est plus à ça près. Bien. Donc moi je suis le boss ici. J'ai même un badge qui dit boss. Donc je suis le boss. Ça va jusque-là? Ouais. Bien. On est des dissociés. On se réunit ici pour partager nos connaissances et nos pratiques. Lui, c'est Georges. À l'intérieur, c'est un type de 41 ans. On lui a volé son corps et son identité. Par contre, n'écoutez pas ce qu'il dit, il est vraiment très con. En face de lui, c'est Léa. Elle a gardé son corps, mais méfiez-vous. Surveillez vos organes génitaux, parce que sa passion dans la vie, c'est de prendre des corps d'hommes pour se masturber la bite avec. Lui, c'est Serge. On a fêté ses 87 ans hier. Avant que son corps d'origine ne meure, il a réussi à swapper avec quelqu'un. Avant, il était chanteur, mais maintenant, il n'a plus les mêmes cordes vocales. Donc il a le seum. Ok, tiens, Magali, est-ce que tu peux aller chercher ça? Non, Lily, c'est pas un clébard. Donc... Et lui, c'est Terry, c'est juste un touriste anglais venu étudier les dissociés français. Ouais, vous êtes marrant, vous, les dissociés français, vous êtes tellement mal organisés. Et vous, à l'intérieur, vous êtes quoi? Vous êtes un homme, une femme, un vieux? Non, moi, en vrai, je suis une femme à l'intérieur, mais depuis que je suis toute petite, je me suis toujours senti beaucoup plus homme. Maintenant, j'ai pris un corps d'homme. Donc maintenant, je suis une âme d'homme qui est coincée dans un corps de femme et qui, actuellement, est dans un corps d'homme. Ok, donc en fait, vous êtes un homme dans un corps d'homme. Oui, dit comme ça, en fait, c'est carrément plus simple. Et avant, j'étais noir aussi. Ça, ça me manque un peu. Ça va, chaton, tu suis? Ouais. Ouais, ouais. Et vous, c'est quoi, votre nom? Chantal. Ah, vous êtes une femme dans un corps d'homme. Non. Il a juste un prénom de merde. Ta gueule! Vraiment, ta gueule! Ok, et Magali, elle vient d'où? Ouais, et ça, c'est chaud. Il y a quelques mois, un nouveau dissocié nous a rejoints. Milo. Il était le plus puissant d'entre nous.
On l'admirait. Il maîtrisait l'art des âmes comme personne. Mais il était trop curieux. Il voulait tout expérimenter. Et alors que le protocole l'interdit formellement, il a swappé avec un enfant. La petite Magali. Au fil de ses expériences, Milo a fini par perdre le corps de Magali, la condamnant ainsi à vivre toute son enfance dans un corps d'adulte, celui de Milo. Nous avons alors recueilli la petite, qui s'est vite avérée très impressionnante. C'était la première fois que quelqu'un apprenait aussi vite. Milo, quant à lui, n'était plus digne de notre communauté. De son côté, en secret, Milo apprenait à diviser son âme, lui donnant ainsi la capacité de posséder plusieurs corps en même temps. Et le seul moyen de réveiller les gens qu'il possède est de leur coller un pain dans la gueule. D'où la procédure. Milo est devenu très dangereux. C'est lui qui détient vos corps. Alors je sais que vous n'y êtes pour rien, mais si vous voulez les récupérer, vous allez devoir nous aider à l'arrêter. Voilà. Ok. Et la seule personne assez puissante pour battre Milo, c'est Magali. Oh, il y a une mouche! Je vais la voir. Elle est d'une extrême importance. Mouche! Petite mouche! Elle est notre dernier espoir. Oh, une petite mouche! On est tellement dans la merde. Perso, moi je pense que même si Magali est niveau 98 et que Milo est niveau 100, si on a deux âmes niveau 50, il y a moyen de l'avoir. Mais non mais tais-toi, Georges, il n'y a pas de niveau, ça n'existe pas les niveaux. Tu dis ça parce que t'es niveau 14. Il n'y a pas de niveau, ferme-la, Georges! De toute façon, personne ne m'écoute ici. Ta gueule! Pardon. Mais il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau, vraiment. Si je résume, vous êtes là du coup pour entraîner Magali à battre ce Milo, c'est ça? Voilà, c'est notre devoir. Quand on devient dissocié, on a une mission. On doit s'occuper des gens. On n'est pas là pour déconner. Putain, allez là! Prends-moi mon corps, tu vas encore te branler avec, t'es relou! Chantal, dis-lui d'arrêter de se branler avec ma bite. Oh non. Ça va, faut bien que je pisse, chaton. Oh, c'est tellement pratique. Bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, j'en sais rien, je sais plus. On va quand même pas passer toute notre vie dans ces corps de merde, là. Non. Perso, je commence à m'habituer. Mes seins me manquent, mais ça va. Putain, regarde, t'as perdu du bidon. J'aime pas. J'y arrive pas. Accorde-toi un peu de temps, tu vas t'habituer. Non, j'arrive pas à pisser, là. T'es juste à côté avec ta grosse teub, là. Ta vie, elle est fat, hein. Ouais. Gigantesque. Pas moyen que tu restes dans ce truc, je reste pas dans ce corps de merde là. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Il y a un dissocié comme nous qui travaille à son compte. Il organise des swaps pour que les gens malheureux échangent leur vie. Si vous voulez un nouveau corps, il peut vous aider. Ouais, sinon il y a moyen de pisser tranquille ou... Vous c'est Serge, c'est ça? Non, moi c'est Léa. Mais dans le corps de Serge, ouais. Ouais, il va falloir s'y habituer. Non, moi j'ai. Tenez. Prenez sa carte. On l'appelle le trader. Excusez-moi, vous avez pas vu mon corps? Léa, je t'ai vu! On fume pas ici. Chez nous, on prend soin des corps qu'on emprunte. C'est pas ton corps, c'est celui de tout le monde. Pense à ceux qui vont l'emprunter demain. Ouais. D'autant plus qu'il est pas à toi, celui-là, il est à Gwen. On rend toujours un corps dans le même état qu'on te l'a donné. Comme les toilettes. Ouais. Et toi, quand tu prends les corps des mecs pour te branler avec, tu les rends pas vraiment dans le même état que... Si. À peu de choses près, si. Je les rends même plus détendus, en fait. Et toi, quand tu swaps, ça t'arrive jamais, genre, justement, un peu trop de détendre et... je sais pas, genre... T'arrives dans le nouveau corps et tu pètes. Quoi, tu pètes? Non, je pète pas. Il pète. Mais non, pas moi, mais non, en tout cas c'est possible. Si par exemple à la base j'avais prévu un paix, bah j'arrive dans un nouveau corps et. Ouais, quand bon. Il swap, il pète. Tu me prêtes ton corps? De quoi? Non, pour faire tes trucs là? Non. Ouais, pour me branler, hein. Faut pas avoir peur de dire les mots. Tu prêtes? Non, c'est mort. T'as déjà eu un corps de femme? Non. Bah tu devrais.
si t'as pas eu une chatte au moins une fois, tu peux pas comprendre la vie. Chantal, pourquoi vous avez pris nos corps ? On devait suivre le protocole. Attendez, comment ça ? Il faut des êtres insignifiants. Sans aucune activité professionnelle. Sans ambition. Politique pouvant avoir un impact considéré comme bénéfique pour la société. Dans le cas où le transfert se solderait par un échec, la perte de leur âme ou de leur enveloppe corporelle serait considérée comme négligeable. Négligeable ? Non, non, mais on a pu se tromper. Je suis sûr que t'as un super boulot, une passion, t'as un mec, t'es amoureuse, tout ça, quoi. Ouais. Ouais. Mais si tu veux, j'ai toujours détesté mon corps d'avant. Ah, donc j'avais l'habitude d'échanger régulièrement avec un gars, on faisait ça comme ça, régulièrement, à l'amiable, tu vois. Mais bon, voilà, le corps a claqué quand c'était lui dedans. Donc si tu veux, je me suis dit, pas de bol, quoi, tu vois. Du coup, je me retrouve dans ce corps à la con, là, avec une gueule de cul, je sais pas si t'as vu, là, excuse-moi, mais pour chanter les chansons, si tu veux, c'est même pas possible d'aligner des mélodies correctement. Regarde, ça là, elle est géniale. Excellent. Je vais mettre ce hashtag, celle-là. Hashtag. Bougon. Et. Hashtag. Hey, oh hashtag. Hashtag gueule, hashtag gueule, hashtag gueule. Hey, monsieur. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Non, mais t'es taré, toi. Oh qu'est-ce... Hey, monsieur, on pique pas le sang. Ah oh, 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 putain. Viens. C'est un peu de la merde comme entraînement, non? Ça a l'air simple comme ça, mais c'est Magali qui se lance une balle à elle-même. Elle swap de corps en corps. Sans contact? Ouais. On appelle ça le swap wifi. On appelle pas ça du tout le swap wifi. Allez, maintenant Magali, possède-moi. J'ai pas envie. Allez, ça va aller, t'inquiète pas. Vas-y. Plus fort! Je suis fatigué. T'inquiète pas. On recommence une dernière fois et après on va goûter, d'accord? C'est beau l'art des âmes quand même, hein. Du coup, est-ce que deux âmes peuvent être dans le même corps? Fusionner? Non. Une âme prend forcément le pas sur l'autre et finit par la détruire. Et est-ce que ça marche avec les animaux? Comment ça? Est-ce que si je... Chaton? Ben? Chaton, Ben? Je crois que tu parles à une mouche. Ben? Oh la mouche, je vais la voir. Non Magali, non surtout pas. Ok Ben, il faut que tu reswappes dans ton corps d'origine maintenant. Ça va Ben? C'était comment? C'était complètement dingue. Oh putain, c'était dingue! Vous étiez géant! Magali, t'as essayé de me tuer. C'était trop marrant! Oh putain, c'est dingue! Montrez-moi d'autres trucs. C'est ouf. Magali? Lily et moi, on va rentrer. Faut venir avec vous? Non, Chantal a dit que tu devais rester là. J'aime pas ici, il y a tout le temps du bruit. Chez vous, c'est mieux. Désolé, Magali. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Vous allez où? On rentre. Non, Magali, tu restes ici. Mais je veux rentrer chez eux, ils ont un lit, eux. Mais on s'en fout, Magali, t'as de l'entraînement, putain. Mais vous allez arrêter de forcer les gens, vous, bordel. Ok, vous comprenez pas, Magali est très importante, elle est puissante, elle doit juste... Mais arrêtez de parler d'elle comme si c'était une arme. C'est une enfant de 5 ans, vous voyez pas? Elle a énormément de barres, mais c'est une enfant de 5 ans quand même. Allez, on rentre, Magali. Pour moi.
C'est qui, c'est tes parents? Ça, c'est toi. Ça, c'est Ben. Et ça, c'est moi! C'est joli, en tout cas. Tu veux aller regarder la télé? Oh oui! Salut, les kiddos! Bonjour à tous! Bonjour! Bienvenue dans Cuisiner, c'est sympa! Tu nous entends, le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire... enculé. Alors, Chris, oui. Qu'est-ce que ça fait d'être une grosse merde? Hein? 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 Hashtag merde, hashtag merde, hashtag grosse merde, hashtag gros prout de merde! Yes, na brav des adoujo gochtif des dégué. Le président aurait Tiboule, quels sont les chiffres existants? Le 1? Oui! Le 2? Oui! Le 3? Oui! 4? Le 4? Oui! Le 5? Oui! Le 6? Ah, non. Qu'est-ce que vous faites chez moi? On vient t'arrêter, Milo. Il faut que tu t'arrêtes maintenant. Faut surtout que vous partiez chez moi, en fait. J'ai dit que je voulais plus rien avoir à faire avec vous. Mec, fais pas le con. Ils ont rien demandé. Ils ont trouvé où j'habitais. Faut que je les possède. Non, sérieux, fais pas ça. Oui, oui, votre ami a raison. C'est vrai. Mon ami? Qui? Lui? C'est pas mon ami. Lui, c'est le... Attends, t'étais qui déjà avant? J'étais qui déjà avant? Enfin, j'étais dans l'appart, c'est sûr. Attends, je check. T'étais qui? Non, c'est moi! T'étais qui avant? Fais pas votre truc! Non, non! Calme-toi! Non, non, tu étais qui avant que je te possède? Non, tu étais qui? Non, mais je suis votre voisin! Je voulais juste un peu du joli! C'est ça. Le voisin. Du dessus. On le récupère. Bon oui, bah du coup, on va pas les laisser comme ça, ouais. Ça va? Fais attention, ça nous affaiblit. Bon allez, à demain. Bonne nuit, Toto. Lily? Tu me racontes une histoire? Oh là, on n'a pas de livre pour enfants ici, je suis désolé. Ok, alors, le dictionnaire. Sois pas conne, c'est pas là. C'est surtout pas... Ok, bien sûr. Du cul dans cette BD. Oh, y a trop de cul. Oh, putain. Chapitre 1. Allumage. Brancher le câble d'alimentation de la base de chargement sur une prise domestique 220 volts. Commencez par initialiser l'appareil en appuyant longtemps sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que la diode soit verte. Phase de repérage. L'aspirateur, Nono, l'aspiro, doit établir une carte de l'espace à nettoyer. Phase de nettoyage. T'as une belle robe. T'aimes bien avoir des seins? Ouais.
t'es une bite ou pas, je m'en fous. On est d'accord qu'il faut qu'on essaye de baiser dans cette config. Ouais, on est d'accord. Vous avez tellement de la chance. Tu crois qu'on peut swapper? Pardon? Ouais. Tout le long? Oui. Oui. Je vois ça avec ta sœur et on part au Canada pour Corolle. Tu vois, on part de la Ciotat et ensuite on se pose du Corbeau, quoi. Vas-y, Magali. Plus fort. Allez, plus fort. Plus fort, c'est bien. Encore. Oh non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, recommence. Allez, je crois en toi. Allez, c'est bien. Ok, Lily, Ben, vous êtes tous les deux d'accord pour swapper? Ouais. Ok. Concentrez-vous. Et... c'est parti. Nickel. Plus fort! Plus fort! Allez! Lâche pas, Magali! Accroche-toi! C'est moi qui ai fait. Ben, rends-moi mon corps. Deux secondes. Non, tu fumes pas dans mon corps, Ben. Ça va, deux secondes. Non, c'est mon corps, c'est pas le tien. Non mais Lily, c'est pas ton corps. Ben, arrête de faire le gamin, là. Mais ça va, je gère, Lily. Tu peux me faire confiance un peu. Putain. Ben! Ben, tu me fais chier, là. Putain, t'étais lourd. Ils sont forts, les nouveaux, quand même. Hein. Quel niveau? Ah, je dirais autour de 40 chacun. J'en ai marre, j'en peux plus. Mais de quoi? T'en as marre de quoi? J'en ai marre de toi. Encore la carte du mec qui échange les vies. Quoi? Tu veux changer de vie? Je sais pas, mais... Et tu comptes en parler à Ben? Non, lui dis rien, s'il te plaît. Donc tu comptes te casser comme ça, sans rien dire à personne? Comme une grosse lâche, quoi. Quoi? Moi, mon corps, s'il te plaît. Déjà? Ok. Ben? Non, c'est bon, ça va. Non, ça va, lâche-moi, c'est bon, j'ai compris. Non, tu comprends pas, laisse-moi t'expliquer. Non, arrête, c'est bon. Lily, barre-toi, vas-y, fais-le. Vas-y, pars, vas-y, va-t'en, on s'en fout, de toute façon. Tu fais toujours ça, Lily. À chaque fois, c'est comme ça, dès qu'il y a un problème, tu gères pas la situation et tu pars, tu fais rien. C'est plus simple de rien faire, c'est vrai, c'est plus simple. C'est vrai, non, c'est pas vrai. Ta BD, tu l'as terminée, Lily? Non. Non, pourquoi tu l'as pas terminée? C'est bizarre.
Pourquoi? Parce que t'as peur, Lily. T'as toujours peur. On n'emménage pas ensemble non plus. C'est bizarre. Pourquoi on n'emménage pas ensemble? Lily, on sert enfin à quelque chose là. J'ai l'impression que, je sais pas, qu'on peut aider ces gens et faire un truc bien pour une fois. Mais toi, tu veux tout casser. Mais vas-y, casse tout. Ouf, c'est vraiment la cerise. Sur le gâteau. Ok, tout le monde. On va aller attaquer cet enfoiré de Milo. Je suis pas prête. Ça va bien se passer, ma chérie. T'inquiète pas. Quand j'étais petit, je voulais être pilote. Pilote de chasse. Et vous savez ce qu'il ne faut surtout pas être pour devenir pilote de chasse? Nain. Être nain. Est-ce que vous allez vous retourner à un moment? Ah oui. Pardon. Et puis un jour, on m'a dissocié. J'ai transcendé mes émotions, mes souvenirs, mon âme tout entière dans un autre corps. Un corps plus grand, plus vif, plus vigoureux, plus beau. Un corps que j'ai usé aussi, que j'ai souillé. Et puis après, j'ai eu d'autres rêves. J'ai vécu dans d'autres corps, j'ai eu d'autres vies, j'ai eu toutes les couleurs, tous les âges. Vous savez, la vie ne nous accorde jamais le droit de réaliser nos rêves. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'idée de réaliser ceux des autres. Donner l'alternative. J'organise des échanges, des rencontres. J'offre le bonheur. Lily. C'est Lily, hein? Oui. Est-ce que vous voulez changer de vie? Oui. Donc, si j'ai bien compris, Milo vit dans le 12e arrondissement. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Elle est où, Lily? Nous avons un catalogue très complet. Choisissez un profil, et cette vie est à vous. Vous avez cette personne? Oui. Oui, c'est une personne qui n'est pas très satisfaite de son existence. Vous voulez cette vie? Oui. Bien. Vous signez ici en bas. Je vous laisse le temps de lire. J'en connais qui vont être contents. Ils sont clean au moins? Mais bien sûr qu'ils sont clean, putain! Genre! J'imagine que tu avais hâte de récupérer ton corps. Vous êtes Milo, c'est ça? J'ai tous les dissociés. Il me reste plus que toi. Je suis en ce moment même dans la boîte de nuit. Je cours après ton mec et la petite. Bon, je me rapproche. Ça y est, je les ai eus. J'espère que t'as prévu autre chose qu'un sac à main pour eux.
Et voilà. C'est chez toi. Magali et l'autre courent vite. J'ai du mal à les rattraper. Y a pas d'issue, ils peuvent pas s'enfuir. Je les ai perdus. Bon. En tout cas, tu peux t'installer ici maintenant. C'est en sécurité. Moi, j'ai honoré ma partie du contrat. À toi d'honorer la tienne. Chantal, tu pensais vraiment que j'allais t'apprendre la possession? Je me suis fixé une mission et je n'ai pas de temps à perdre à enseigner mon art. Encore moins à un dissocié de niveau 2. Magali. Elle est là. Ok. À Porquerolles, il faut qu'on prenne un bateau pour aller dans les îles. Et du coup, on achète des crustacés. Vous avez l'heure? Oui. Je sais pas. C'est toi qui sais, c'est toi qui l'as acheté, je sais pas comment on l'éteint celui-là. Ça aussi j'aurais pas dû l'acheter. Mais non. Le bouton marche plus. Je suis désolé, Ben. Je sais que j'ai tout fait rater. Quand on sera dans la rue, le but du jeu, c'est de pas se faire toucher, d'accord? On joue à chat. Voilà, c'est ça. Sauf que nous, on est les souris. Et les chats, c'est tous les autres, d'accord? Et si jamais je me fais toucher, tu me mets une grosse... patate! Oui, c'est bien, ma chérie. Bon. Pour pas se faire toucher, va falloir sortir couvert.
comme un porc. Ok, 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 vite, vite, allez! Allez, vite, vite! Vite, vite! Non, allez, go! Allez! Merde, 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 merde! Ok, quand les portes s'ouvrent, je fonce dans le tas et vous, vous passez, d'accord? Ok, on sort les doigts. Du cul! J'avais l'impression d'être dans le corps de quelqu'un d'autre, c'était complètement... Là, regarde là, toi t'es dans moi, moi je suis dans toi là. Yannick. Vas-y, fonce, fonce. Oh putain de merde. Ça va, c'est bon. Magali. Lily. Lily. Non, non, mais c'est bon, je suis plus possédé, là. Je sais. Merci, Ben. Max. Allez, t'en as toujours eu envie. Quoi? Mais je sais que tu me rejetais, que t'as choisi ce connard là, mais dans le fond c'est toujours moi que t'as voulu, je le sais. Allez. Mais de quoi tu parles? Ah putain, mais c'est moi! Milo? Ouais. J'ai beaucoup changé, Pauline. Je vais sauver le monde. Je vais nous débarrasser de tous ceux qui nous empêchent d'avancer là. Je l'ai enfin trouvé ma place. Taper toi-même ou me taper moi? Tapez-moi. Putain. Ça coûte combien ça fait refaire le nez? Je sais pas, c'est très très cher. Change. Ok.
l'idée de taper une meuf. En plus, là, c'est toi. Ah, dis-toi que je suis un homme possédé par un autre homme. Ne m'embrouille pas. Je frappe où, au visage? Non. Évite de me péter les dents, s'il te plaît. Sur le ventre? Ouais. Non. Enfin, évite de taper les ovaires. Je veux pas de soucis si on a des enfants. Quoi? Des gosses et tu veux même pas d'un putain de robot aspirateur. Mais ça va. Oh putain, mais change Lily là, donne-moi ton point faible. La clavicule, je me suis cassé la clavicule quand j'étais petite. Bien joué. Merci. J'ai quand même un pur boule, hein. Je te l'ai toujours dit. Magali! Magali! Je sais que tu m'entends. Tu peux lutter contre lui. Magali, c'est moi. C'est Lily. C'est moi, Magali. Tu m'entends? Oui. Oui. C'est bien, Milo, c'est bien si tu veux changer le monde. C'est bien. Chérie, que ça te fait plaisir. Si je peux pas t'avoir en te faisant plaisir. On la laisse pas, on y retourne. Allez, c'est fini.
À deux. À deux dans le même corps, on sera plus fort. Allez, on y retourne. Allez. Non, c'est pas possible. Si. On y arrivera pas. Si, Ben. J'ai confiance en nous. J'ai confiance en nous. Allez, on se motive, Jeanne. Et on y va. Ben. Ouais. Ça va, j'attends. Nickel. Dans un de ces corps, je comprendrai. Je veux pas être un obstacle pour toi. Non, mais ils ont rien demandé, ces gens. Je veux rester avec toi, Ben. Et Ben ? Oui ? Moi aussi, quand je swap, je pète. J'en étais sûr. Allez, viens. On rentre chez nous. Ok, pourquoi je suis le seul en slip ? Mag, Magali. Mag, ça va ? Magali, on a gagné. Mag. Magali, on a gagné. Mag. Oh, Mag. Allez. Ça va, on est là. Magali. Ben, pourquoi elle se réveille pas ? Boss de qui ce soit. Guys. Putain, merde, putain, merde, chopez-la. Chopez-la, putain. Je l'ai eu. Oh, Magali. Oh, Magali. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais rien, y a rien du tout. Il est où, Milo ? Il est là, il est juste là. Il va bien, presque. Jean-Jacques, on a fait la météo des fourmis. Où c'est les dauphins, là? J'en peux plus de la météo des fourmis, là. Jean-Jacques?
Quand on avait dit qu'on partagerait la grossesse, on n'avait pas dit que je me taperais toutes les nausées. Mais t'inquiète, je vais prendre le prochain vomi, mon petit chaton. Ouais, non, parce que je me demande vraiment comment on va s'organiser pour l'accouchement. Et te connaissant, il y a moyen que tu me laisses faire tout le sale boulot et que tu sois au dernier moment juste pour avoir le bébé sur le ventre. Mais non, on se partagera l'accouchement équitablement, mon chéri, je te promets. Je te rappelle que j'ai besoin de savoir ce qui fait le plus mal entre un accouchement et un coup de pied dans les couilles. Tu finiras plus tard. Faut qu'on y aille. Chantal, de Virgin Mojito, s'il te plaît. Ça marche, boss. Ok, non, t'inquiète pas, c'est normal. Donc comme d'habitude, ma vessie, elle est un peu capricieuse, donc je peux pisser à tout moment, d'accord? Et s'il donne des coups de pied, c'est normal. Merci, Sacha. Ça marche. Eh, hey, belle, ça va? Ça va. C'est bien comme ça aussi. Merci. Eh, hey, ça va la mouche? Cela va bien. C'est bien, mouchi! On doit s'occuper d'un nouveau taré, le collectionneur. Un type en Angleterre qui a appris à extraire l'âme d'un corps et qui s'amuse à stocker les corps dans sa cave. Collectionne les corps vides, le gars. Bon, je peux vous laisser faire? Ouais. J'ai rendez-vous. Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on accueille des petits nouveaux. Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer ce qui vous arrive. Ouais, de toute façon, vous allez vite comprendre. On va s'échauffer. Magali? On va jouer à chat. Arrête, tout de suite. Ok, tu te calmes. Allez, voilà. C'est bon, Milo est devenu fou, mais c'est bon, on l'a neutralisé. Ok, c'est bon, aucun problème. L'histoire s'arrête ici, vraiment. Ça n'a aucune incidence sur la suite. Ok, allez. On va goûter? Ouais. On va goûter. Eh ben, c'était chaud. T'imagines s'il s'était barré? Il aurait pu se passer un maximum de trucs, quoi. Alors que là, non. Vraiment, rien, quoi. Fin. Suricate.